Étape 6, le pique-nique. Durant toute l'expérience, nos trois familles n'avaient pas le droit de se parler. On a voulu qu'elles se rencontrent le temps d'un pique-nique pour qu'elles puissent échanger sur ce qu'elles avaient vécu durant cette expérience. Au début, on était très enthousiasmés. Philippe et moi, on s'est dit, il me semble que ce ne sera pas difficile. Comme probablement tout le monde, hein, quand on a commencé, on était sur un high, on était un peu naïfs dans cette histoire-là. On s'est dit, ah, il n'y a pas de problème, allons-y gaiement. Allez, les enfants vont dormir dans la même chambre, ouais, une auto pour la famille, c'est correct. Là, ça a été... belle expérience. Oui, mais c'est pas facile. On avait hâte en désespoir que ça finisse, là. Mais je pense que l'annonce du frigo, ça a coupé les jambes à Philippe beaucoup. C'est quoi vous avez trouvé le plus difficile dans votre semaine? Écoute, l'incertitude, le stress continue. Écoute, avoir une semaine de plus, là, je sais pas ce que j'aurais fait. Là. Je pense que le niveau de tolérance, le niveau de patience, il avait atteint son maximum. Là. Mais j'essaie de projeter une famille qui a vraiment besoin, puis ce stress-là est là... À toutes les semaines, là. C'est pas juste une semaine, là. Puis je me disais... C'est très dur pour le couple aussi. Ça doit être extrêmement dur. Extrêmement dur. Pour le couple aussi. Avoir un stress continuel. Nous, c'est ça, une des choses qu'on essaie d'expliquer aux enfants, c'est que là, on a vécu une semaine qu'on ne considère pas qu'on a vécu la réalité de ce que ça aurait été en temps réel. Parce qu'on regardait le budget, mais on dit, mais on n'a pas acheté de linge. Pas d'école, pas de sport à payer. On n'a pas sorti au restaurant. Plein d'affaires qu'on n'a pas eu à acheter dans notre budget. Même au niveau des bicycles, le bicycle à Ella a brisé ce matin. Fait qu'il faudrait le réparer, ce bicycle-là. Mais pour nous, c'était pas la réalité. Moi, j'ai juste dit ça pendant 6 jours, mais lui, il dit ça pendant tous les jours. C'est vrai. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce fait-là. Puis nous autres, on leur a dit, parce qu'il nous est resté 30 et quelques dollars de budget, puis on s'est dit, bien, c'est de l'argent qu'on garde de côté pour un prochain imprévu. Des imprévus, il va en avoir encore. Ça peut virer de bord un jour ou l'autre, hein. Puis j'ai constaté que la ligne est mince entre tout va bien, puis paf, tout chavire. On est vraiment à ça. Il n'y a pas personne qui a un mur béton entre le niveau de confort qu'on a puis la pauvreté. Ça prend un imprévu, un accident, un décès, une séparation, peu importe, là, qui fait en sorte qu'à un moment donné, la vie chavire, puis sa vie, ça bascule. Fait que, bref, ça m'a donné un certain vertige. Je pense que c'est la notion de courage que je reconnais encore plus que les gens qui vivent ça au quotidien possèdent. Le courage de passer au travers ces moments difficiles de la vie. Puis par quoi ils passent, puis les choix qu'ils doivent faire, difficiles, puis d'essayer de sortir la tête de l'eau, de rester de bonne humeur, de rester heureux dans leur vie, puis en équilibre, là, ça doit pas être si évident que ça. Là. Travaillons sur de la formation, travaillons sur pour aider ces gens-là à s'en sortir. Ils ont des fois pas les outils nécessaires. Le but de cette semaine-là, c'était de sensibiliser les gens. J'espère que c'est ça qu'on a réussi à faire. J'espère que ça va servir à faire réfléchir beaucoup de gens. Une belle surprise attendait nos participants. Pour remercier nos trois familles, on leur a offert une prestation juste pour eux par deux des gars de Noir Silence. Gardons ce qui est devenu la petite famille d'à côté. Ça fait une semaine qu'elle est rationnée. Gardons ce que ça fait de manquer de tout compter. Oh yeah! Ça te montre une autre réalité. Oh yeah! Vous allez bien? All right! Content de vous voir. Quand il fera beau, je vais mettre mes plus beaux habits. Sortir au centre-ville, me reploguer sur la vie. J'ai hâte de voir tout ce qu'on voit pas sur l'écran. Ce qui fait que la vie est plate quand on reste sur le divan. On va peut-être passer pour des fous quand on va se retrouver. Sûrement qu'on sera un peu too much.
C'est fou ce qu'on s'est manqué. Tout le monde ensemble autour du feu. Sortir les guitares, chanter bien fort. Tout le monde ensemble, à ce qui paraît, y'a rien de mieux que d'être ensemble pour de vrai. Qu'est-ce que t'as fait à part user ton plancher? Moi, je suis à bout des câlins pixelisés. Sortir nos nouvelles, même dans l'hiver profond. La vie est courte, même quand les jours sont longs. On va peut-être passer pour des fous quand on va se retrouver. Sûrement qu'on sera un peu too much, mais c'est fou ce qu'on s'est manqué. Ensemble, autour du feu, sortir les guitares, chanter bien fort, tout le monde ensemble, à ce qui paraît, y'a rien de mieux que d'être ensemble pour de vrai. Comment tu es? Et on n'est pas plus sage. Pas toi, est-ce pas? Je suis plus fier de notre dernier tatouage. Ça fait du bien, même si on se trompe d'un refrain. Toujours. On a grandi, on a retenu ce qu'on a voulu. On va peut-être passer pour des fous quand on va se retrouver. Sûrement qu'on sera un peu too much. C'est fou ce qu'on s'est manqué. Tout le monde ensemble autour du feu. Sortir les guitares, chanter bien fort. Tout le monde ensemble, à ce qui paraît, y'a rien de mieux que d'être ensemble pour de vrai. Tout le monde ensemble autour du feu. Sortir les guitares, chanter bien fort, tout le monde ensemble. À ce qui paraît, y'a rien de mieux que d'être ensemble pour de vrai. Wow!